Alors. Ouais, ce qui est intéressant, c'est ici. Parce qu'il y avait une bibliothèque. Avec un secret. On avait trouvé un bouton. Deux là-haut. Et il y en a un troisième. Qui devrait être par là. Voilà. Et c'est, je pense que ça a dû ouvrir le coffre-fort. Ouais, c'est ça. Métro 2033. C'est ça? C'est un secret. Alors, ça augmente quoi? C'est pas pour augmenter notre capacité? Notre réserve de. De munitions? Ça ne dit rien, ça! Fabrique de moto. Ok. Ah, je t'ai passé à côté de ça, tiens. Pour l'instant, ça m'aide pas trop, mais. Ah. C'est une menace, hein? Jake. Heading north to drop off some of these parts. Don't lose the spare key. Ok, d'accord, donc on a la silver key. Alors je sais pas où on peut l'utiliser, mais. Ah, ils arrivent à les incorporer. Ils arrivent! C'est abusé de se faire toucher comme ça. What? Ah, c'était un boss. Je l'ai éclaté. Le mec, il y avait deux flingues. Faut voir le flingue avec lequel je lui tire dessus aussi. Merde. Wow, passe quoi? Wow, faut se casser. C'est des ouf. Waouh, ils ont tout fait sauter. Ok. Ok. Allez, du coup, j'étais derrière. Dans la zone de fabrication. Alors, attendez. Du coup, on a une clé. Ça fera la moto pour y aller, je pense. C'est que j'ai trouvé une clé, mais pas celle que je voulais. Est-ce que là, il y a le deuxième camion ici, là? Enfin, il est pas là. De l'autre côté. Ah, je suis pas allé ici en fait. Ah, j'étais pas monté sur l'ascenseur en fait. J'étais pas monté sur l'ascenseur. Ouais, il y a des petits côtés horrifiques aussi des fois. Alors attention. C'est des morions? Enfin des morions, c'est des zombies. Zombies mutants, non? Alors il y a un petit côté entre Fallout de Knecken
et Doom en fait. Ouais, t'es mort. La baïonnette. Ouais, c'était son garde-manger là. Il y a un petit côté horrifique là qui est pas déplaisant quoi. Genre il pèle les gens là comme des. Comme dans Predator là. Hop. Oh merde. Hop 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 hop, vous allez vous calmer. Mais ils sont combien ces cons? Ils m'attendent à la sortie là. Ils m'attendent à la sortie de l'école. Vous êtes sérieux là? Oh! Arrêtez vos conneries! Ah, ça peut très bien le finir hein, si ça. Oh le bordel. C'était combien là? C'est abusé. Attends, ils sont où, je les entends là. ça va m'obséder là, ce que je les entends. Ils sont dans les murs, ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes. Putain de pigeons. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas juste pour avoir des junk quand même. Respectez-moi là, le jeu. Respectez-moi, elle est où la suite? Peut-être pas besoin de tous les tuer. Ah, ça vide l'eau. Yes. Pas mal, pas mal. Ok. Ah, on va sortir par là. C'est con. Ça a dû vider l'eau surtout ailleurs. Ah, genre dans le centre commercial. Tiens. Ça a rien fait ici, non, ça. J'ai un doute. Bah non, ça a rien fait ici. Non, ça a rien fait ici. Attends, il y a un intérêt. Ah, par ici. Ok.
The gate. Ok. On a ouvert et fermé. Petit raccourci. C'est quoi toi? Ouais, il m'a surpris ce con. Il y a un général mutant là. D'où il venait? Ouais, je vais y finir en garde manger moi aussi. Ok. Toujours pas de radio, ouais, le signal. Là par contre on a augmenté encore plus le niveau de l'eau, c'est ça? On va attendre l'exit. Au-dessus là il y a des ennemis, je suis sûr. Vous entendez le même étage. Meilleure arme du jeu pour l'instant. La baïonnette là ça change la vie parce qu'en fait ils arrivaient à me toucher avant à cause de la distance. Avec les armes au corps à corps là. Mais avec ça là, il court vers l'ennemi là, il met un bon steak dans sa gueule. À pompe là, un coffre de la voiture de patrouille. Ah yes, de ce côté là du coup. Attends, on va y aller. Tout fouiller jusqu'au bout, ce qu'il y a pas. Toujours deux secrets là. Et encore une trentaine d'ennemis. Donc il est possible qu'il y ait encore une zone qu'on connaisse pas. Attends. Hop. Voilà. Merde quoi. Ah oui, en effet, on la connaît pas cette zone. Ah, c'est une galerie d'argent. Interconnecté. Ok. Les embrouilles. Voilà. Putain, y'a un Mickey dégueulasse là. Au secours. Ah, c'est un Mickey Dark Vador, ok. Excellent. Attends, on va essayer de voir en détail là. Y'a peut-être des trucs sympas, non? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bah après j'ai l'impression qu'il y a des œuvres reconnues en pixels, par contre. Un petit côté la tour sombre là, avec la rose. Pour ceux qui connaissent, c'est la tour sombre de Stephen King. En 7 volumes, genre 6000 pages, un truc comme ça. Oh! Petit
terroriste bouge le cul. Oh, t'es mort. Celui-là, c'est lequel? C'est Wolfenstein, non? Ouais, je pense que c'est Wolfenstein. Le puma! Bim! Alors ça, c'est le démon. Le démon des enfers, non? Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est un dessin animé, ça, connu, non? C'est un petit côté style... le dernier maître de l'air, mais... Oh, ça, c'est le deuxième boss, ça. C'est le boss de Doom 2, ça. Au secours. Putain, il fait pas des trucs, là. Tu me files rien. Les goodies. J'ai aucune idée de ce que je fous là. C'est quoi ça? Ah, c'est un laser game, un truc comme ça. D'accord. Attends, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac là, non? Ah non, ok. On peut voir ça. Alors, les règles de la mission. On n'a pas le droit de courir, pas de contact physique, ne pas monter au mur, grimper au mur, ne pas viser la tête. Ok. Ah, t'inquiète, regarde. On va respecter les quatre règles. Oh. Changement d'ambiance. Ah. Let's go. Merde, non, je suis coincé. Ouais, je fais de la merde là. Je fais de la merde. Aïe aïe aïe. Yoradi. Attends, on va sortir avec le. Ouais. Sorti par là, non? Aïe aïe aïe. Ah mais pour les éloigner eux c'est chaud. Attends, je devrais balancer carrément un coup de lance-flamme direct au lieu de lancer une grenade. Oh, ah non, je me suis trompé. Putain. Il se prend la tête avec le monsieur je sais tout du jeu vidéo, c'est-à-dire moi. Vous parlez de moi? Ouais, oh, c'est le bordel là.
Je me permettrai pas. Bah si, je sais tout du jeu vidéo. Donc tu parles de moi. C'est bien que je suis le dieu du jeu vidéo. Là, je suis à 35 PV là, ça pue. Hein. Je suis fait éclatax. Vache. Ah, ouais, j'ai le droit à une photo. Je peux pas la garder. Hey, j'ai ma main qui... Excellent. J'ai ma main qui essaie de me cacher les yeux. Le détail. Ok. Ah, il est carrément un tank là-bas là. Et vous parlez de qui alors? C'est qui? C'est Julien Chias? Non, vous parlez pas de lui. Lui, il connaît autant de jeux vidéo que ma grand-mère. Et elle est morte! Pardon. En plus, c'est vrai, pas chier ça, en plus, c'est vrai. Ah. On va parler. Maline, ne shoot pas. Ne me tire pas dessus, s'il te plaît. Ah, je sais pas. Hein. Pim, 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 pim. Bonjour. Ah, c'est le scavenger. C'est lui qui m'a sauvé. C'est peut-être le walker. Je sais... enfin, c'est bien moi et je sais qui tu es. C'est pas mal l'endroit où t'habites là. Sympa. Ne touche pas à mes choses, mais reste, si tu veux, tu seras en sécurité. Tu m'as sauvé à l'heure de la... donc de l'immeuble qui s'est écroulé, d'après ce qu'on m'a dit. En effet, tu as eu de la chance. Une mauvaise tempête. Et je cherchais juste des goodies à looter là, et je t'ai trouvé dessous. T'es blessé et t'étais irradié. Eh bien, merci. Aucun problème. Alors, où est mon... Où sont mes goodies? Je suis sûr qu'il me les a volés. Hein. Ce que tu avais, c'est ce que j'ai trouvé. Rien de plus. Peut-être que tout ce que tu as payé, et... enfin, ce que tu as perdu était le paiement. Pour ta survie. Est-ce que t'es en train de dire que tu as pris mes affaires pour payer? Non. Je te crois pas. Où sont mes affaires? Voilà. Donc il a entendu tomber l'immeuble. Il m'a retrouvé dans une vieille ventilation. Alors, tout ce que je me souviens, c'est que voilà, la tour est tombée sur moi.
Alors, il me demande pourquoi es-tu venu ici. Je cherche quelque chose. Je pense que tu pourras m'aider. Une personne? Un objet? Essaye de trouver le gap. C'est tout au nord. Vous traversez la station de métro. Et le building de l'autre côté d'ici. Fais attention, il y a beaucoup de radiation. Ok. Et pour continuer, il te faut une clé. Où est-ce que je trouve la clé? Ah bah je l'ai. Bah j'ai de la chance. Ah. Bah pour une fois que j'ai de la chance, je l'ai la clé de West Side. Ok. Il a pas trop aidé quoi. Bon moi il avait des soins là. Il y a quoi? Il y a des petites peluches là. C'est quoi la photo là? Ah des fois c'est difficile à deviner. Bon il a un lit double, il se met bien. Alors, comment ça va Jack? Faut que je surveille les radiations un peu. Hein. Écoute, ça va, on essaye de continuer de finir. Alors, finir, c'est un bien grand mot, hein, parce que ce jeu, je sais pas comment. Combien d'heures je vais galérer dessus. Mais en tout cas, d'avancer Afterglow. Pas ici. On est où là? Last stop. Attends, c'est peut-être un raccourci ça, non? Je suis en train de me dire. Avec de la chance. Oui, il y a une merde là. J'ai eu. C'est quoi cette zone de ces morts là? Charger ma lampe. Je tue des mutants gratuitement. Ça me fait pas avancer. On va voir. Ah super. Bah raccourci voilà. Super. C'est qu'un raccourci. Ah y a une ventilation au-dessus là, je la vois là.
Merde. J'ai guisé, chef. Hop là. Alors. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse sortir de là. Non. Ok, ça marche. C'est vraiment qu'un kick, un simple raccourci. Le jeu, il est tellement stylé, ce jeu. Tellement. Rien à dire. Oh! The Pain Elemental. Live at Noir. Ah, excellent! Parce que, bon, la rêve, bien sûr, du Pain Elemental, c'est le monstre de Doom. Mais Live at Noir, c'est le... Noir, c'est le... La discothèque dans Terminator. Où il y a Sarah Connor qui dit « Retrouve-moi au noir ». Donc quel est le nom du... de la boîte. Attends. Hop. Je m'installe bien. Petite musique là, dans le lance. Où les radiations, où les radiations. Faire concours. Merde. Je me recache pour qu'elle redescende. Faire qu'on trouve vite le chemin en fait, en courant. Si on peut mourir. Chose. Destruction in Kobe. Il va y avoir quoi? Non, je suis pas au courant. Je... Oh, c'est une ref à Metro 2033, ça. Les gens qui sont morts à travers le... Bon, après, je pense que ça, c'est un graffiti, mais... Les gens qui sont morts à travers le... Et éclatés sur les murs comme s'ils avaient subi une attaque nucléaire. Plutôt TV. Putain, je la veux, la gold security, là. Osprey contre Yota Tsuji. Ah, Osprey. Du coup, ils font un mélange de... C'est que New Japan ou c'est un mélange? Ils aiment bien... Oh, bon. Oh, bobo. Ils aiment bien faire des feats. Oh, je les aime pas, eux. Ils sont chiants. Ah,
pas, mais vous êtes combien, vous êtes sérieux? Shit. Que New Japan? D'accord. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas suivi là. La dernière fois, je pouvais pas les regarder les shows. Là, je vais pouvoir plus ou moins les revoir, enfin les regarder. Putain, je vais foncer, ouais. J'ai pas envie de les affronter là. Ah, ils font chier là, ils vont me gêner. J'aime pas ces trucs. Bah oui, bah, tu t'es fait péter à la gueule, mec. En plus ces mutants ça fait chier parce qu'ils te donnent pas de munitions quoi. Ah la Gold Security Key, yes, j'y pensais en plus. Du coup il y a un camion dans chaque section de jeu là. J'ai récupéré. Alors, attendez, déjà on va descendre. Il y a un premier camion ici. Oh sympa. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Fin de médecine, d'accord, ok. Ouais, je suis un peu largué sur la New Japan. Même la AEW, je suis largué. Même la WWE d'ailleurs, dernièrement, parce que j'ai pas suivi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été licenciés, non? Ça arrêtait pas là, à tour de bras, là, la WWE, là. J'ai pas suivi après. Quand j'ai vu les noms de Ziggler et... Et chez Tel Benjamin, je suis les bâtards. Des mecs, même pas. Ils laissent aller au bout de leur contrat. C'est un peu la ton quand même. Hein, de remercier des gens qu'ont fait que ta boîte elle est ce qu'elle est maintenant. Pas qu'elle est au top quoi. Bon, attendez. On va rester là pour l'instant. Ouais, c'est de là, ça m'a fait un peu mal au cœur. Après, je me suis dit, bon, ils peuvent toujours... Ils ont du talent, quoi. Ils peuvent toujours bosser dans d'autres compagnies, quoi. Dans des compagnies indiennes.
y a pas ici. Allez, vite, 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 faut courir. C'est bon. On va suivre les traces de sang. Eh ben non, je te nique le jeu. Je vais pas où tu veux que j'aille. Ouais, j'ai peur. T'es avec les lampes, à chaque fois j'ai peur, j'ai l'impression que c'est un... Il y a une merde collée au plafond, quoi. Oh, ils m'ont fait peur, là, putain. Ah putain, jeu de c'est mort, jeu de c'est mort. Quand tu recherches, t'es mort. Hein. Non, je... Recharger égale la mort. Merde de con, putain. Radman. Fist. Dark Dick. Putain. Ambush. En fait, je suis sûr que c'est un truc qui existe vraiment, il s'appelle Dark Geek, quoi. Le perso. Pam 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 pam. Y'a un peu pas là, y'a pas un truc à faire. Ok. Bon, alors comment on fait ça? On va aborder ça avec le revolver, je pense. Ah, efficace. Ouais, enfin si je vise bien. Oh! Moi j'ai le droit, toi, t'as pas le droit, toi. Merde. Putain. Wow! Putain. T'as vu qu'il te dit ramasse tes dents. Concrètement. Il est sauvage, je... T'as la sauvagerie du jeu. Ok. Ouais, les animations, même de pour recharger les armes et tout, ouais, tout qui est excellent. C'est vraiment une tuerie. Ok, la note dessus. Oh là là, ma barre de vie, enfin ma barre de radiation. Merde. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ouh, j'avais pas vu. Station.
Alors par contre on a ouvert autre chose, est-ce que c'est la cage d'escalier? Non, ou la gate dehors. Ouais. Non. Je tombe de côté. On va y arriver. Ah. Sérieux là le jeu? On a suivi les traces de sang mais ça va être là quoi. Ah. J'ai glissé, chef. Bon, c'est quoi ce bordel? J'ai arrêté de spammer l'attaque là. Ils sont sérieux là? Non, c'est pas ça. Je crois que c'était pire dans l'original. Irradiation. Ah putain, le bordel. Dégage la chaise! Et tout ça? Dégoûté. Ah, je suis casu! Ouais. Ouais, je commence à être à poil, moi. Ça pue. Y'a un mec qui l'a dit, moi je connais le jeu vidéo, c'est ça? Et pas vous? Ah, ils sont en train de bouffer de la viande de on ne sait pas quoi là. On veut pas savoir. Il donne rien en plus, hein, cet enfoiré. Après, là, on est dans l'immeuble, là. J'espère qu'on va pas tomber dans le vide. Parce qu'il est un petit peu renversé, cet immeuble. Oh, ça a explosé. What?
Ah, y'a de la vue là. Je m'en sors pas mal. La vache. On va save. On va courir là. C'est chaud les marrons. Il y a des crânes partout là, c'est pas. Où est-ce que je viens, où est-ce que je vais? Qui je suis? Ah. Voilà vache. Les radiations qu'on m'a augmentées. Alors, où c'est qu'on doit aller? Sûrement en face. Cinéma. Bats. Terrifying. Ok. Est-ce qu'on va aller voir Bats? Attends, j'ai vu qu'il y avait des secrets dans la zone. Il y a 9 secrets. Ah ouais. C'est déjà bien que j'en ai trouvé un. Ah, peut-être là il y a un secret. Non, ici. On va regarder Bats. Quand j'ai la lanterne, je peux pas enchaîner avec mes tirs. Il m'a quand même touché ça, toi. Ça, ça me rend fou. Ah, est-ce que ça va être enfin le petit film de cul de Knaken? Le gouvernement qui a créé des brigades entières seulement dans les écoles. Oh là là. Priver les téléphones et couper des réseaux sociaux des harceleurs et faire des cours d'empathie. De toute façon, l'école ils l'ont délaissé, maintenant ils font n'importe quoi. Faut essayer de se rattraper. Mais... ils ont abandonné l'école pendant des années. Ils ont même retiré les subventions. Maintenant, ils chient leur froc, là. J'ai retiré un verrou.
Ah. Merci, le premier rideau. Et je te vois là, l'autre là derrière là. Ah putain, j'ai plus rien. J'ai plus de pipe. Un marathon horreur, pas mal, sur Shadows. Ça c'est intéressant ça. Et du coup tout le mois d'octobre quoi. Jusqu'à Halloween, le pinacle. Pipipi. C'est pas le décor de Blood un peu? RIP. Va tomber. Ah, petite save là parce que je sais pas où je vais là. Voilà. Changeons de musique. Ouh, ça sent pas bon ça. On fait ramasser des munitions. Ça commence à puer là. Stress. Est-ce qu'on va affronter le boss des mutants? Oula. Oh, je crois que je l'ai vu ça chez un berbe ça. T'as la cage, on aurait dit celle de Evolwizin. T'as le piège quoi. C'est en mode viens chercher les munitions là. Qui brillent. C'est piège à con quand même. On suit le câble. This gives me an idea. Just need to find more pieces. Ah, j'ai trouvé quoi? Ah, il le montre pas. Ah oui, y a un petit côté Evolwizin même avec la boucherie là, non? Des bruits bizarres. C'est quoi ces bruits des enfers hein? Ah. C'est parti. Bonjour. Oh, j'ai raté. Ma grenade, j'ai raté.
Salut Kidia, comment ça va? Je pense que t'aimerais bien ce mode de Doom. Ça envoie du lourd, tu vois. Avec des petits trèfles des années 80. Ouais, bah j'en connais quelques-uns qui sont cool. Je pourrais te les conseiller. Bon, on s'est débarrassé des mutants déjà. Wouah. C'est pas fini. Encore du ménage à faire. Ah, tu vois le détail, comment il cherche son arme et tout, c'est abusé. Et c'est un mélange entre... Enfin, il y a un peu de Knucken en termes de design. Ça reste Doom, hein. Il y a du Knucken, il y a du Fallout aussi. Un monde post-apo, là. Tout mis à côté. Super. Oh putain, j'avais oublié. Voilà. Hey buddy. We are back. C'est le boss du 1. Boss du premier épisode. Mais t'es pas mort toi? Wow. Alors en plus, on a un mode survie, donc c'est les embrouillons. Oh la vache! Oh, ça va être dur. C'est beaucoup plus dur que la première fois. Je le sens. Oh la vache, putain, mais les lancers de grenades de ce bâtard là, il faut vraiment jouer vite vite. Hein. Y'a un truc à faire? Ah, on peut peut-être le combattre autrement. Merde. Ah, on peut s'enfuir. Ah, on peut s'enfuir sans le combattre. Je te nique. Même pas je le combat.
Alors, la clinique. Attends, il a la radio, c'est pour ça que j'entends? C'est parce qu'il est derrière le mur. Excellent. Vault. La bank. Ah, c'était un braquage. Est-ce qu'il met des bombes dans le couloir là? Ah, on est de l'autre côté. J'avais donné une clé de bronze, mais je l'ai pas. Enfin, je sais même pas si je l'ai pas, non. Parce que merde, le con. Putain, je l'ai vu au dernier moment. Ah merde, ah putain, c'est pas un objet à ramasser, putain. C'était encore une grenade. Putain, mais il en a mis combien de pièges? Ah, un passage. Donc c'est la porte. Terminator. Terminator 2 d'ailleurs, je suis un. Mais est-ce qu'on peut y retourner, ça truc? Enfin, un peu. Oh! Il y a un truc par là. Hein. Je sais pas si tu prends encore l'abonnement PSN Plus. Non! Non, 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 ça fait longtemps que j'ai arrêté les abonnements. Mais oui, d'après ce que j'ai compris, il y a Callisto qui va apparaître. Apparemment, le patron de la boîte de Callisto s'est fait virer. Par l'éditeur. Bonne ambiance. Ah, c'était un secret ça? Ok. Bah oui, t'es déjà allé, Lucien. Ah, mais c'est dans le premier épisode de mémoire. Venu sur les traces du premier épisode. Ouais, qui est ce protocole. Et Weird West. Alors, Weird West, il y a un des devs qui stream. Qui fait des streams, d'ailleurs. Ouais, je reconnais, ouais, c'est dans le premier épisode, ça. Je rappelle pas que c'était ouvert. Ah oui, voilà, il a fait s'écrouler la zone, là. Ça a complètement changé. Je fais attention, là, aux radiations.
Attends, la zone entière est secrète ? Là, pour l'instant, je vois que des décombres... Hein ? Y'a rien à faire ici ? Run the spire. Quoi ? Attends, il retourne dans le bunker ? T'as les deux, donc tu devrais être contenté de Farming Simulator. Ah, de toute façon, Jack, si tu peux arrêter, arrête tous tes abos, hein, ils servent à rien. Enfin, c'est pas qu'ils servent à rien. Mais quand t'as une accumulation d'abos et tout, ça c'est. C'est les mots modernes. Des mots modernes du portefeuille qui brûle quoi, dans ta main. C'est tous les abos là. Quand tu les mets bout à bout, ça n'a aucun sens. Ah mais. Ah et voilà, on est revenu là. On est au moins 1. Et on était. Et je sais plus, au moins 6, un truc comme ça. Attends, on risque de tomber sur des trucs des enfers là ici. Ouais, franchement, le PSN Plus, du moment où ils ont augmenté leur prix et tout ça, j'ai fait, je leur ai fait un doigt. Parce que je crois que j'avais laissé mes abos, je crois que j'avais encore un an et demi d'abos, un truc comme ça. Donc j'ai continué, enfin j'ai laissé quoi, voilà, après j'ai pas renouvelé quoi. Parce que le coup d'augmenter les prix et après de faire genre, regardez, c'est une promo. Vraiment des chiens. Hein. Et tous les prix qu'ils ont mis, qui sont pas du tout compétitifs par rapport à Microsoft, franchement. Sony mérite le bâton là pour se faire battre là. Ils le tendent. Oula, je sais pas si on veut aller là-dedans là. T'es encastré dans le mur le placard là. Allô ? J'ai envie de tomber là. Attends. Normalement là je cours pas si je fais ça. Voilà. Oh ! Oh, trop bien ! Ah bon, on est pas venu pour rien. Trop bien ! Plus par là. Ah ah ah, je suis bloqué. Alors on a trouvé de la médecine, des antibiotiques contre le rhume, etc. Ok, 100 balles. On est tous des mutants. Yes. C'est vrai qu'on est tous des mutants, on s'est pris les radiations. On va continuer à le faire parler. Ok. Ok, donc c'est dit. Ça c'est bon. Le fuel c'est bon. Batterie ça va à peu près, non?
Ok. Donc apparemment, la moto, on peut la refaire démarrer. Ok, on va parler à Riggs. Bon, la moto, elle est prête, là. On n'a pas trouvé la copine, la barman. Ah d'accord, on peut dire, on peut rester ou on se casse. Ah j'hésite parce que c'est vrai qu'il y a une quête secondaire, on sait pas trop, mais bon après, c'est qu'une quête secondaire. Hein. Ouais. Ah, il reste un seul job qu'on doit faire avant de partir. Il veut parler de quelque chose. Il veut qu'on lui rende un service. Tu vas vers le nord, n'est-ce pas? Oui, et alors? Tu sais la valise que tu m'as ramenée plus tôt? C'était un ordinateur portable du gouvernement. Alors je suppose qu'il pourrait y avoir des manuels techniques. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Je l'ai activé que pour quelques moments, mais j'ai vu beaucoup de choses dessus que je ne comprenais pas. C'est sûr que c'est du matériel militaire d'avant la guerre. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Et ça me fout les boules. C'est sûr que ça lui fait peur, je comprends. Parce que si c'est une valise diplomatique pour lancer des missiles... Enfin, une valise pour lancer des missiles tout court. Ah, il pense que c'est un rapport avec notre ami le robot qu'on a vu dans le bunker. Qu'ils appellent Smiley, là. Il n'a pas dit ce qu'il y avait dessus. Pas vraiment. Alors, il nous parle d'un endroit qui s'appelle Prospérité. Non, c'est une ville. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de la malise. De la mallette. D'accord, il veut qu'on trouve un gosse du nom de Wheeler. Comment j'y vais? Westbound Tunnel? Ok. Donc là, on va quitter la zone, quoi. Ah, faut qu'il m'ouvre. Ouais, tu m'ouvres ou pas là? Wow! Ou quoi? Ah, j'ai même pas eu le temps de. Ok, les gars. Je vais m'enfuir quoi. Ils se sont fait attaquer au moment où ils ont ouvert la porte. Quoi. Ah, on s'est enfui. Ça fait du bien de revenir sur la route. Mes sensations...
de conducteurs, on va dire, sont mieux que jamais. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite ? J'ai l'impression qu'on a atteint un point où on ne reviendra pas en arrière. Ok. Faire un petit peu de moto. Avant de partir. Hein. La moto est tellement dangereuse. Hop 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 hop. Putain. Ça fait tellement mal quand tu t'éclates comme une merde comme ça. Faut que je fasse gaffe. J'ai failli me faire avoir encore une fois. Bien. Ah, bien. Y'a rien par là. Alors... Ok. Ouh. Alors, je pense que je vais save là. Et je vais m'arrêter.